It is exactly 8 p.m. on our studio clock, and its news are on Spectrum Television. Top on our stories today, July 3, 2023. Control, surveillance, repression during this holiday season. The National Gendarmerie puts more emphasis on prevention on major road access to track down unscrupulous road users. Plus, in health, the expanded vaccination program has presented its deployment strategy for the upcoming months today in a press conference in Yaoundé, capital city of Cameroon. This story is in full and much more will be yours in a short while. Good evening, ladies and gentlemen. Once again, it's a pleasure being your company on the 8 p.m. Balimko Primetime Newscast on Spectrum Television. We'll kickstart right away in the French language with Leila Rengansu. Bonsoir, Leila. Bonsoir à vous, Christelle Assec. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. Contrôle, surveillance et répression. En cette période de vacances scolaires, la gendarmerie nationale accentue la prévention routière sur nos différents axes. Et ce week-end, les équipes de Galax et Toga étaient sur la route de Balmayo pour traquer les usagers en délicat. On fait le point avec Olivier Bouzique. Vacances sans accident, la gendarmerie veille au grain. Sur l'axe Yaoundé-Balmayo, les Pandores ont redoublé la vigilance. Mes trois passagers de derrière n'avaient pas de ceinture de sécurité, raison pour laquelle je suis là. Bon, ça peut arriver d'oublier de dire aux passagers de mettre, surtout quand la tête est surchargée. J'ai été interpellé pour excès de vitesse. Il y avait un véhicule devant moi qui lambinait tellement. Je suis donc passé et c'est là où j'ai été flashé. Tolérance zéro, l'indiscipline est sanctionnée. La sanction, c'est 25 000 pour excès de vitesse. Il était obligé de payer la somme de 10 800 pour les trois ceintures de sécurité. Au-delà du fait que moi j'ai été pris pour excès de vitesse, il y a d'autres qui sont un peu fous de la route. Et il faut des gendarmes pour les ramener un peu sur le droit chemin, surtout que c'est la période des vacances. On a assez de voir des hécatombes sur la route. La gendarmerie ne badine pas. Aucune goutte de sang ne devra être versée durant ces vacances. Même les adeptes du trafic d'influence sur cet axe du chef de l'État sont impuissants. Trafic d'influence dont nul n'est au-dessus de la loi. On les ramène à la raison. Il y a parfois, ceux-là se reconnaissent dans leurs erreurs et ils se répandent. Contrôle, surveillance, répression, la 436e phase de la prévention routière met en exécution les instructions du haut commandement. Notre présence ici n'est pas pour vous faire des dommages, mais c'est pour conscientiser les usagers de la route. We remain in Yaoundé, where Barry Lowen officially replaces Denis McClure as British High Commissioner to Cameroon today, July 3, 2023. More insights on this change of His Majesty's High Commissioner with Josephine Binze. Barry Lowen, according to official reports, has today, July 3, replaced Dr. Christian Denis McClure as British High Commissioner to the Republic of Cameroon. The former was appointed in April 2021 to Cameroon and Her Majesty's non-resident ambassador to the Republic of Equatorial Guinea in succession of Juan Laxton. Cameroon is the United Kingdom's 120th largest trading partner, according to the less than 0.1% of total trade. The total trade in goods and services between the United Kingdom and Cameroon was at £200 million in 2019. Cameroon has traded with the UK as part of the European Union for a long time and signed an economic partnership agreement in December 2017 for products like banana, aluminium, processed cocoa, and agricultural products to enter the United Kingdom, and Cameroon being heavily dependent on British markets to sell these products. The father of three, born in London, has served in various capacities as British ambassador to Algeria and Africa Directorate in 2021 and 2022 respectively. Cameroon is the next chapter to cement relations.
Et puis en politique, depuis 2021, au moins 4 membres du gouvernement sont décédés en fonction, alors que l'intérim est assuré par des adjoints. Les observateurs de la scène politique camerounaise estiment qu'il serait plus opportun pour le chef de l'État de procéder à leur remplacement. Inès Pangan. Le gouvernement camerounais a amputé de 4 de ses membres. Depuis 2021, un ministre en fonction, 2 ministres délégués et un secrétaire d'État sont décédés. Le plus récent, c'est le décès du ministre des Mines et du Développement technologique Gabriel Dodon-Doké le 21 janvier 2023 à Yaoundé des suites de maladie. Avant lui, le gouvernement de Paul Biya a perdu Clémentine Ananga Messina, la ministre déléguée à l'agriculture le 5 août 2022, Alim Ayatou, le secrétaire d'État à la santé le 5 avril 2021, et Adoum Gagoum, le ministre délégué aux relations extérieures chargé du monde islamique, le 8 mars 2021. En attendant un remaniement ministériel plusieurs fois annoncé mais jamais effectué, l'intérim est assuré par les adjoints. Pour le cas du ministre Dodon-Doké, c'est le secrétaire d'État auprès du ministre des Mines et du Développement technologique, Fou Calistus Gentry, qui le remplace temporairement depuis le 30 janvier 2023. Selon les observateurs de la vie politique camerounaise, il est opportun pour le président Paul Biya de briser la glace et acter le remaniement ministériel. Pour eux, en plus des membres disparus qu'il faut remplacer dans le gouvernement, le président de la République doit y maintenir l'équilibre. À titre d'exemple, le décès de Adoum Gagoum et Alim Ayatou, tous deux fils du Septentrion, réduit numériquement la représentativité de ses ressortissants dans le gouvernement. Accord de coopération dans l'exploitation des champs pétroliers et gaziers transfrontaliers entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Le projet de loi est soumis à l'attention de la représentation nationale. Malgré les atouts économiques pour les deux pays, la commission de la production et des échanges de l'Assemblée nationale, notamment son secrétaire, relève quelques zones d'ombre. Oriane Banquin pour plus de détails. L'accord pour la coopération dans l'exploitation des champs pétroliers et gaziers transfrontaliers entre le Cameroun et la Guinée équatoriale sera bénéfique pour les deux nations. Il est d'ailleurs innovant, selon l'honorable Serge Gabriel Mpenaï. Mais le secrétaire de la Commission de la production et des échanges de l'Assemblée nationale relève de nombreuses préoccupations. D'abord, les frontières. Le principal champ gazier entre les localités de Yoyo au Cameroun et Yolanda en Guinée équatoriale, aurait dû être plus définie et bien précise en ce qui concerne les frontières. Nous savons que face à la Guinée équatoriale, nous sommes sur deux plans d'eau frontaliers. Il y a celui concernant la frontière maritime avec Bata, auquel cas ce sont les bassins concernant Douala, Kribi, Campo qui sont impliqués, et celui concernant le fond maritime avec Malabo, auquel cas les bassins impactés sont le plus ceux du Rio del Rey du côté du sud-ouest. Celui-ci va donc s'installer sur des centaines de kilomètres carrés dans l'océan. L'intensification des activités pétrolières et gazières dans la zone aura un impact sur des populations dont l'activité principale est la pêche artisanale. Donc, voilà un ensemble de grandes superficies de kilomètres carrés qui vont être sécurisées. Cela va créer et causer davantage la complication des activités quotidiennes de pêcheurs artisanaux. La pêche artisanale rapporte deux fois plus que la production industrielle. Et quant au fait que la balance commerciale aussi de notre pays, concernant les produits halieutiques, est totalement déficitaire et qu'il faille permanemment importer des millions de tonnes de poissons pour satisfaire la demande locale. On peut donc profiter de toutes ces situations de gêne qui vont être occasionnées dans ces emprises maritimes afin d'accompagner les pêcheurs artisanaux par des actions plus productives pour améliorer leur rendement et le développement de leurs activités. L'environnement peut également être sujet à des catastrophes. On va se trouver dans des situations où il y aura un bal de va-et-vient des tankers, un tanker transportant le pétrole ou le gaz pour diverses raisons d'accostage, d'arrimage, fasse une manœuvre en haute mer et se plante, échoue ou coule au bord des côtes. Cela entraînera une grave pollution et ce sont les écosystèmes marins et la biodiversité qui vont en pâtir.
Mais en attendant le recours dans la mise en œuvre du principe de dédommagement du pollueur-payeur, ce sont les communautés riveraines qui subiront les lourdes conséquences et d'énormes désagréments dans leur biotope vital. Pour l'élu du peuple, le code pétrolier camerounais n'offre pas assez aux locaux. Il faut envisager des contreparties directes. Monsieur le ministre, comment pourra-t-on être rassuré du respect de ces programmes et de ces modalités qui devront donner la priorité aux Camerounais et aux sociétés de droit camerounais? Qu'est-ce qui nous rassure qu'à la mise en œuvre de cet accord bilatéral, on n'ira pas à nouveau chercher les jeunes diplômés venant du Ghana, du Nigeria, de l'Angola, parce que ce sont ces pays, n'est-ce pas, de la zone africaine qui dispensent le plus de formation dans ce domaine, de formation diplômante dans ce domaine spécialisé. Le projet de loi est soumis à la représentation nationale. Reste attendue la ratification pour le début effectif de l'exploitation de ces produits. In our health page, the expanded vaccination program has presented its strategy for the upcoming months today in a press conference in Yaoundé. Let's get more knowledge of this deployment plan in the following excerpt. Let's take a listen. Cameroon has affected more than 4,000 children with 18 deaths. And that is a worrying situation, knowing the situation of multiple emergency in Cameroon. And that's why the government is organizing this campaign in order to stop the current outbreak, but also to prevent the future outbreak for at least three next year, as we do in expanded program on immunization. Targeted, it is the nationwide campaign, but the targeted children are children from 9 months to 5 years. That are the most affected by the measles outbreak now. Santé du sein. Au 9 juillet prochain, une campagne de vaccination de masse contre la rougeole et la rubéole sera organisée dans les 200 districts que compte le Cameroun. Réseau évoqué pour expliquer et comprendre cette vaccination de masse, le retour en communauté de ces pathologies. Tenez par exemple dans la région du littoral, 16 districts de santé sont en épidémie. Inès Pangan. 16 districts de santé dans la région du littoral sont en situation d'épidémie à la rougeole. En 2021 déjà, face à une résurgence de cette pathologie chez les enfants de 9 mois à 9 ans, le programme élargi de vaccination pointait le doigt accusateur sur la non-vaccination de ces enfants, soit environ 75%. Et ce serait la même raison évoquée en 2023. Pour que le système de surveillance épidémiologique identifie une recrudescence, un accroissement des cas de rougeole dans la communauté, les pouvoirs publics prennent des mesures avec l'appui des partenaires au développement pour organiser des campagnes comme celle-ci afin de renforcer l'immunité communautaire et d'interrompre la propagation du virus dans les communautés. La non-vaccination d'un enfant peut avoir de graves conséquences sur celui-ci et sur la communauté entière. Les dangers à ne pas se faire vacciner, c'est d'abord un, ne pas bénéficier de la protection qu'offrent les vaccins, donc être exposé à l'infection et à faire la maladie qui peut se manifester sous de formes graves avec des encéphalites, avec des infections respiratoires sévères, avec de la cécité liée aux effets, à l'aggravation de la rougeole et parfois la mort de l'enfant. Et l'autre danger aussi, c'est de propager la maladie au sein de la communauté. Une campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole sera organisée dans tous les 200 districts de santé du Cameroun. Ce sera du 5 au 9 juillet prochain et les enfants de 9 à 59 mois sont concernés. Crise à l'ESC, le général de division Essaï Ngabou s'en prend au ministre de l'administration territoriale. La scène s'est déroulée ce dimanche à l'église évangélique du Cameroun, paroisse de Siméon, c'est à Yaoundé. Le paroissien est général à vie, comme il le mentionne lui-même, estime avoir été insulté par le Minat en le traitant d'individu sans foi ni loi. En effet, dans un récent communiqué, le Minat interpelle l'opinion au sujet d'un groupe d'anciens membres de l'ESC se revendiquant de l'église évangélique du Cameroun décentralisée, en abrégé
EEC-D. L'UMINAT rappelle donc que toute association religieuse doit être autorisée selon la loi camerounaise, ce qui n'est pas le cas pour cette dernière. Je vous propose d'écouter le général de division Essaï Ngambou, très remonté. Pasteur, une fois de plus, je vous dis que c'est vous, nos protecteurs de notre moralité. Je parle de dans un temps. Vous voudrez bien dire, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la correspondance du ministre de l'administration territoriale. Vous voudriez bien lui dire que dans un problème où un général de division a mis son nom, il ne saurait me traiter d'individu sans foi ni loi. Je le dis devant le bon Dieu, il n'en a pas le droit. Il n'en a pas le droit de traiter un général nommé avant lui. Et peut-être qu'il partira avant lui. Je suis général toute ma vie. Vous êtes là pour nous protéger. Nous ne voulons pas la guerre dans ce pays. Nous avons protégé ce pays. Donc je souhaiterais que, avec le tact que je vous connais, vous puissiez appeler son attention sur les envolées lyriques qu'on utilise à l'endroit des citoyens ordinaires. Traités. On ne m'a jamais traité de cette manière. Et j'aurai l'occasion de le rencontrer. J'aurai l'occasion de le rencontrer. J'espère qu'il sera encore là. C'est ce que je voulais vous dire. Il ne faut pas exagérer. Oui. Nous avons nos problèmes dans l'Église. Mais ce n'est pas avec des tons, des propos moqueurs, de la provocation et chercher à savoir qui est qui dans ce pays. Nous les connaissons, ce n'est pas parce qu'on ne parle pas. Donc je ne voudrais pas retenir l'attention de l'assistant longtemps. Mais je vous prie de le lui faire comprendre. Je vous remercie. Et loin de cette crise, je vous propose à présent de faire le round-up de l'actualité africaine avec VOA. Au Sénégal, le président Macky Sall devrait annoncer lundi soir s'il sera candidat ou non à un troisième mandat pour la présidentielle de 2024. Dans un climat de haute tension, son principal opposant, Ousmane Sonko, appelant à manifester massivement quel que soit son choix. Khartoum est secoué lundi par des tirs d'artillerie lourde des paramilitaires et de l'armée assaillis sur plusieurs fronts dans une guerre sans issue après environ 3 mois. L'armée s'est dite lundi prête à recevoir et à préparer des combattants volontaires. En Tunisie, la justice a ouvert lundi une enquête à la suite de heurts entre des migrants d'Afrique subsaharienne en situation irrégulière et des habitants de Sfax, deuxième ville du pays où l'immigration clandestine suscite de vives tensions depuis des mois. Le président kényan William Ruto a annoncé dimanche la levée de l'interdiction sur l'exploitation forestière qui datait de près de 6 ans en dépit des inquiétudes manifestées par les associations écologistes. We now talk sports away from our international page. After trashing their opponents, Cayman Football Club in a 1-0 encounter match on Sunday in the ongoing regional Interpol competitions, Puma Football Club heads on to the semi-finals of these games. Highlights of this encounter with Josephine Binze. Cayman Football Club of Douala's dreams for the regional Interpol Trophy has been thwarted following a 1-0 win from Puma FC on Sunday, July 2. Coach Nuk Minka thinks the psychological preparedness of the winning team was pivotal.
We kept our heads up and tried to master the game, keeping in mind that to meet Kaiman, we have to understand the psychological pressure the youths will have to go through. They played very well, and we merited the victory. I congratulate our opponents for playing very well too. Against all odds, keeping their heads above the water is the only mantra to keep the fighting team going. We are disappointed because we didn't see this defeat coming. We lost the ball to our opponents. This happens everywhere, even on the professional landscape. We are keeping our heads ready for next year. One step at a time, Puma Football Club is bracing the odds for her next encounter. Unfortunately for them, to our advantage, we won. We were more than determined towards the end of the encounter. They had the ball possession. We also tried counter-attacks, which didn't give us a second goal. And we have to admit that we are going to meet a stronger adversary. Puma Football Club, upon qualification, is set to face Botafogo Football Club of Douala at the semi-final derby at the Bapelebe Stadium for the Regional Interpols on Wednesday, a decisive phase in the regional leagues. Toujours en sport, 23 ans après sa création, la Djalakouane Sport Academy met provisoirement un terme à ses activités au centre de football camerounais. La décision a été prise ce jour par son propriétaire Henri Djalakouane II Junior au lendemain de l'élimination de son club en demi-finale aller et retour lors des barrages dans la région du sud-ouest Cameroun. Une décision radicale qui confirme si besoin en était que les relations entre le quatrième vice-président suspendu de la Fédération camerounaise de football, Henri Djalakouane II, et le président de l'institution, Samuel Etofis, restent tendues. Et on continue de parler sport avec vous, Christelle Assec. Cette fois-ci, on parle de la Coupe du Monde des militaires. Exactly, Leila. And this, in this brief, Military World Cup, Cameroon has literally crucified Germany by beating them 4-0 in your final game of the 2023 FIFA Women's World Cup. This victory comes after their win over Belgium and the United States of America. And with that, we call it a day on the 8 p.m. Balingua newscast on Spectrum Television. Thanks for watching. See you tomorrow, God willing, for another edition of the 8 p.m. Balingua newscast on Spectrum Television. Bye-bye. Good night, Leila. Bonsoir à vous, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain, 20h, sur les antennes de Spectrum Television. Si, bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir.